messieurs, rassemblement ici, je vais faire le briefing, rassemblement tous ici, s'il vous plaît. Ça joue. Oh là là, ça fait beaucoup d'allemands là. Okay, messieurs, j'ai déjà perdu ma squad. Bien, vos ex-officiers ont été briefés, ils vous brieferont en détail. Je vais vous faire le briefing de base. On est le 6 juin 1944 et des Américains ont commencé à débarquer sur les plages du Tapis. Nous, on vient de reprendre les positions sur Sainte-Marie-du-Mont. On va devoir, vous pouvez ouvrir vos cartes temporairement, uniquement pour ça. On va devoir reprendre la position en CD, CD3-4 qui consiste à une position d'artillerie inoccupée qui a été abandonnée. On va aller la réoccuper. On va également réparer une ancienne station radar et vous organiser des patrouilles autour. Voir s'il n'y a pas des traînards, voir s'il n'y a pas des résistants. Vos sergents ont été briefés et vous brieferez les détails. La partie commence maximum dans 10 minutes. J'ai besoin de, exceptionnellement, tous les AT disponibles, venez avec moi. Et Publisher, dès que t'as fini, tu viens avec moi. Allez dans l'église, s'il vous plaît. Sky, si t'es là, c'est chez moi le pont qui saute. Ouais. Ouais, il manque juste Yo-Yo à briefer. Au lieu, on va se mettre dans un coin pour se regrouper là. Vers la fontaine, comme avant. Alors ouais, je suis avec l'appel, le sergent de la squad 2. Venez, venez, on se regroupe. Ok, alors tous ceux de la squad 2, collez-vous vers le mur ici. Comme ça, je vous brief. Donc, notre mission, c'est de défendre, d'aller récupérer, réoccuper la batterie d'artillerie. Donc, nous, on doit contrôler un secteur. C'est les cases C3, C4 et puis D4. Ok. Et on doit. Bord de map, là. On doit organiser des patrouilles. Donc, notre zone principale, c'est le réseau de tranchées qu'il y a entre. C3, D3, C4 et D4, vous le voyez au milieu où il y a le point batterie de Brécourt. Ouais. C'est toute la tranchée qui va de D3 à gauche à D3 diagonale, la tranchée en diagonale. Non, c'est pas la grande en diagonale, c'est le petit, c'est les réseaux de tranchées condensés au milieu. C'est le point entre, la jonction des 4 ouais, voilà. Des 4 cases. T'as les lignes grises qui coupent en deux, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc nous, on va organiser une patrouille. D'abord. Il y aura deux soldats qui vont faire la route rouge qui traverse C3 du nord au sud, une patrouille de deux. Vous faites des allers-retours sur cette route-là, je désignerai après. On a une deuxième patrouille qui va cette fois faire la route qu'il y a en D4. Vous voyez la route rouge qui va jusqu'au réseau de tranchées en rond là. Qui va vers Manon. Ça fait la route rouge d'ouest en est et vous vous arrêtez où il y a le rond de tranchées. Vous voyez lequel? Oui, ou quel virage qui t'amène au manoir? Voilà, c'est juste au virage et retour. Ok. Ok, les autres, de nouveau, ça sera, on fera un roulement. On aura un canon AT. Toutes les 15 secondes, il faut qu'il bombarde. Peu importe si c'est dans le vide, il faut juste tirer. Et on fait ça jusqu'à la deuxième phase. Prendre toute la route en largeur, c'est ça? En fait, en gros, on sécurise la partie L, en fait. Ouais, c'est difficile à expliquer. En gros, vous voyez, c'est. C4, KP9. En gros, ça fait un L, chef. Ouais, okay. Voilà, voilà. Ouais. Okay. Bah, en gros, des tranchées, tu vas sur la route qui va vers le nord jusqu'au croisement et tu redescends. Voilà. Et pour ceux qui vont d'est en ouest, c'est jusqu'à au cercle de tranchées que tu vois et tu reviens en arrière. Exact. Okay. C'est avant le virage et repartir, ça. Ok. Ouais. La raison pour laquelle vous tirez les canons AT, c'est que ça représente l'artillerie. Qui tire sur Utah Beach. Okay. Vous êtes en train de pilonner les Américains. On va désigner maintenant. Pedro n'est pas là, donc on n'a pas de médic, ce qui est un peu pénible, mais c'est pas grave. Chrysax, tu seras sur le canon. Nyok et Spix, vous faites la patrouille qui sera en C3, celle qui fait nord-sud. Ok. Ok, d'accord. Nord-sud. Nord-sud, ouais. Avec qui moi je suis? Avec Nyok. Avec Nyoki. Ah bah c'est le duo d'élite, c'est bon, t'inquiète. Et aux gazeuses et Vector, vous faites l'autre, celle qui fait ouest à est. Bon, on va à Sainte-Marie, on prend le... on y va à pied les gars. J'ai l'appel. Tranché, la 2, la 2. Je suis là, avec l'appel.
Squad 2, avec l'appel. Ouais, c'est moi. Avec l'appel. On fera le tri à l'église. Tu fais l'appel ? Avec l'appel, ouais. Je fais l'appel avec l'appel. Ah, t'as compris. C'est où les appels qui manquent ? Notre camion est là-bas. Quel squad ici, s'il vous plaît ? La 2. AT en nord-est. Merci. 10 secondes. Non, non, on a pas de AT. C'est compliqué, hein. Pas d'AT qui... Non, il est derrière. Non, pas d'AT, il est sur le banc. Mais je suis qui ici? Je suis. C'est ça. Bon, on comprend mieux comment ils ont perdu la guerre, hein. Ouais. Les Allemands ou les Américains? Bon, regarde, retourne-toi, tu verras. Écoute, en regardant les chaussures, je dirais qu'on est belge. T'arrives à voir tes chaussures? Moi, je vois pas mes chaussures. J'ai pas de jambes, moi. C'est juste, on a pas de jambes. On fait du pied. On fait du pied 20, c'est pour ça qu'on les voit pas. Et quand tu pisses, tu la vois ou? Non, non, c'est en dessous des bras, tu vois plus rien. Pigeon, t'es sur le banc, hein, c'est ça, hein. C'est vrai que c'est mal foutu, quand même. J'avais oublié qu'il y avait pas les jambes. Ok, la squad 2, vous montez dans le camion là. Prends su. Allez. Ouais, tu peux aller devant. On a qui ici? Capri, c'est ça? Non, non, je suis dans le camion déjà. Ok, Vector, tu peux monter dedans. Il y a cette place pour tout le monde, la FMS, là? Non, il n'y aura pas cette place. On m'a dit FMS dans ce camion. Ah, c'est blindé. RIP. Oh, mais marche vite, t'inquiète. Je reviens, je vais aller chercher l'autre camion. Hein. J'arrive. Ok. Reçu. Déjà des problèmes logistiques, quoi, putain. Ah, moi, on m'a dit camion ici. Ça leur fera les pieds. Non, c'est juste. Ah, j'avoue que le jeu, quand il est comme ça, ça donne tellement envie de le faire H24. Pour les garants de ça. Ça décoiffe, hein. Ah, c'est stylé quand même. Salut Spix! Ah, il y a le convoi et tout. Les mecs de là ici, comme ça, ils pourront pas faire feuilleton. C'est quand même stylé, on voyait les gens au fond comme ça, comme un peu genre. On pourrait faire sur Foxhole en vue du dessus, mais là en mode FPS, c'est incroyable. Si on doit déplacer les gens comme ça à chaque fois sur les maps, ça pourrait être tellement stylé. Paolo, tu peux déjà sortir, je pense. Ouais, les gars FMS sont descendus. Vous les FMS, vous pouvez y aller déjà. Allez, bon courage, les gars. FMS. La squad ouais, d'Ezekiel. Ouais, c'était dedans. Attends, il nous monte. Au gazeux, c'était là? Sky, tu verras rien là-bas. Au gazeuse, monte dans le camion. Dans le camion, au gazeuse, ouais. C'est le mec avec son casque et son filet. C'est le seul mec différent. Sky, c'est bon, il est là. Tu peux y aller. Ok, les gars, allez, on y va. Ah ouais, y'en a, ils défendent ici. Il y a la route qui est là. Ah ouais, ça a découvert. Hein. Ouais, tout le monde peut descendre. Ah, y a du bombardement déjà. Ezekiel, si tu ouais. Peux lâcher. La route ici, c'est Vector ou gazeuse. Vous allez jusqu'au bout, comme je vous ai dit avant, et vous revenez ici, vous faites des rondes. Vous pouvez déjà y aller. Tu me donnes la main. T'as pris les sandwichs? Ouais. Ils vont faire un pique-nique. Et ici, on a Nyok et Spix qui va arriver. Donc, tu peux déjà commencer à Nyok à faire ta ronde. Dès qu'il arrive, il va te rejoindre. Nyok? Nyok, t'es là? Non, je sais pas, il est pas là. Ah, moi, je parle en mute. Ah. Ok. Oui, je disais oui et je te demandais, on va jusqu'au bout ou on s'arrête avant au niveau des tranchées? Non, vous allez jusqu'au bout. Ok. À plus. Et puis, alors à toutes. Et Capri, toi, tu peux ouais. Te mettre sur le canot AT. Dans le coin. Ouais, mais je sais pas où il est. Ton vieil. Et puis, Pongo, toi, tu restes avec moi. On va rester dans les tranchées. Yep. Le canot AT doit être quelque part par ici.
Mais je dois faire quelque chose de spécial, tirer un coup tous non, les... Non, tu dois juste tirer, en fait, tu vas simuler de l'artillerie. Ok, donc je dois tirer tout d'un temps donné, quoi. Ouais. Est-ce qu'il est pas là ? Contact, du contact. Ouais, j'ai entendu. À 50, nord-est. Ok, compris. Voilà, canon. Tu peux l'utiliser pour arroser le ciel. Ok. Ah, oh, c'est les camarades, c'est bon, c'est les camarades. Ah, ils ont tiré dans le vide ? Bah ouais, je suppose que ça c'est un camion à nous ça, hein ? Ou pas ? Attends, je regarde. Est-ce que c'est notre camion ? Parce que je vois pas bien d'ici. Oui, oui, c'est à nous. Il y a une garnison donc... à nous à côté. Oh, c'est des camarades à nous là. Ouais, je dois faire ça tout le temps, fais chier. On voit rien. Attends voir. Attends, ne tire pas, deux petites secondes. Ouais. Ok, attends, je vais vers mon AP pour discuter avec le boss. Tirer en l'air, on voit rien. Mais c'est stylé par contre, c'est vrai qu'on n'a pas des flaques. Il y a l'autre artillerie qui tire en face. Il y en a trois canons du coup avec moi. Oh, c'est stylé. Belle motivation, soldat. On défend la mère patrie. Mauvaise faction, chef. Mais non. La guerre est pas terminée, hein. On n'est pas encore les méchants. Nous, on n'a pas de mère patrie, nous. Ouais, si. Elle va de Berlin jusqu'à Moscou. Juste la conquérir encore. Je vais juste checker l'artillerie en face. Non, il y a déjà du combat. On entend les tirs qui arrivent là. Premiers affrontements là. On les entend là à notre gauche. J'ai entendu des tirs, tu les as entendus aussi ? Ouais, à fille, ouais. Ça s'approche. De quelle direction ça venait ? De ma gauche, parce que vu que j'ai le canon, je peux pas te dire. Ok. Je jette un œil. Ça tirait, tu sais, à l'endroit du. Sûrement à l'embouchure. De la route. J'entendais pas. Oui, c'est. Putain. C'est la radio. Ça a tiré. C'est la radio. On a du contact qui arrive par le nord, donc il faut qu'on arrête les patrouilles et que tu peux repositionner tes soldats vers le nord. D'accord, mais deux patrouilles, c'est stylé. Tu peux les déplacer ? Ouais. Ok, je vais les chercher. On recharge, on continue. C'est stylé quand ils tirent. Ouais, ces canons-là, ils pourraient tirer à la place de ça, ça aurait été ouais, stylé. Le bruit serait beaucoup plus impressionnant. Vas-y, c'est bon pour le canon. Vas-y, va prendre ton arme et va faire des events. Ok. Merci de ta partie. Demande à ton squad. Bah, je vois, je sais pas où, je vais le chercher. Ezekiel ? Ezekiel, on m'a dit d'arrêter là. Pour l'artillerie. On t'arrête ? Ouais, du coup, okay, je peux. Ok, parfait. Si je veux rester à côté ou autre. Ici. Il faut que t'ailles contacter les collègues qui sont en 340, qui sont plus contact. Tu me dis que la situation et tu reviens vite. C'est compris ? Kézax ? Ah, pardon, tu veux j'aille où ? Commandant, tu peux répéter ? 350, Azimut 350, on a des alliés, tu vas voir là-bas, il y a des tirs, faut que tu me dis le rapport de situation, tu me dis comment ça se passe et tu reviens vite ici. Ok, bien sûr. Vas-y, c'est parti. Ok, vite. Salut les gars, messager du commandant, rapport de situation s'il vous plaît. On a du contact au fond de la rue, il passe. Ouais. Et vous en avez beaucoup ou pas? On en a eu 4 ou 5, je dirais. Ok, reçu. Ouais, il y a une dizaine qui est passée en moyenne, je pense, depuis le départ.
Ok, reçu, je note. C'était quel azimut à peu près? 47 de notre position. Je vais peut-être repartir en haut. Reçu. Ouais. Nord-est alors. Ok, reçu. Ouais. Messager, de retour. Ok, Sarah, situation. Alors, situation, ils ont du contact sur la route de leur nord-est. Et ils ont traité 3, 4, 5 personnes. Et pour l'instant, ça va, il n'y a pas grand monde. Il y a une petite escouade qui arrive, quoi. Ok. Chrysax, viens avec moi. Ouais, pardon. Suis-moi. Mets-toi ici vers le canon anti-char et tu vas l'aider à surveiller la zone. Ok, je vais avec, ok. Contrôle bien que ça passe pas bord de map. Vers le flanc gauche, ok, reçu. C'est du renfort. Yep. T'as eu du mouvement déjà ? On entend des balles siffler, mais on sait pas encore trop d'où. Ok, reçu. Bah, je viens te faire le messager, y a les MG au nord, là, nord-est, ils ont eu du contact déjà. Mais ça va sûrement nous passer sur la gauche, là. Ok. En bord de map. Ouais, j'imagine, ouais. Ils essaient de traverser la route, mais bon. J'ai l'impression que c'est à droite. Ouais, pour l'instant, ils galèrent à être au niveau de l'AMG, mais... C'est sûrement pour faire diversion. Il faut faire gaffe, il y a un champ de blé, là, en nord-ouest, c'est chaud, là, si on les voit passer. Faut surtout que je fasse. Le problème, c'est que je sais pas. Attends, je vais mettre ici. Toujours rien ? Non, RS. Rien. On entend les tirs au nord, mais rien d'autre. Notre secteur est calme. Hein. L'autre côté, c'est aussi calme. Est-ce que vous pouvez checker un peu le nord-ouest ? Parce que nous, on n'a pas de jumelles, on peut pas voir le champ de blé. Oh. Je regarde. Attention, ça siffle. Ouais, il y a des balles qui sifflent par là. Pour l'instant, rien. Ouais, reçu. De toute façon, je contrôle hein, depuis les tranchées, je regarde ici au cas où. Ok, reçu. En cas de contact, on engage ou on laisse avancer un peu? Il y a un sergent ici. Je suis là. Tu prends 3 hommes avec toi et tu vas dans la ligne D4 KP 6 8. Ils ont un assaut massif. Et là, tu vas leur prêter ma main. Ok, t'es parti. Tout de suite. D4 KP6, ok. Le manoir de Brécourt, ils sont attaqués par le manoir de Brécourt. Donc sur la route, ok. On te suit. Ok, bah. Oula, ça. Ok, y'en a un qui reste ici. Capri, tu viens avec moi. Ok. Aux gazeuses avec moi. Oh, ils vont attaquer par la route principale. On va essayer de l'envoyer en fait. Ouais, suivez-moi, on va appuyer les copains. Reçu. La ligne de fond elle est juste à notre gauche. Et le manoir est juste en face de nous, pour ceux qui ne voient pas. Ah ouais, quel contact. Ça vise à droite donc ça pue là. C'est ici que ça pousse, on vient prêter main forte. Ouais, ça arrive du 160. Ouais, c'est de l'autre côté. Ah, on se fait chauffer là en nord-est aussi. Au gazeuse, tu peux placer ta batteuse. Je suis mort. J'ai pris une balle médic. Ok les gars, on tourne le canon. 160, 180. Balle médic, là, t'en as ici là. Au gazeuse, c'est en position. Il est derrière là, au gazeuse. Ça vient d'où les tirs? Ah, merci. Ça tire aussi en nord, okay, ouais. T'as un visu au gazeux sur quelque chose? Ouais, au 36. Ok. Chrysax, toi, c'est sur 160, 180 que tu regardes. Ok, reçu. Ouais, ça contourne carrément. Enfin, ça, cette caisse-là va me gêner. Contact. Azimut 40. J'arrive.
pas de risque, faut préserver, faut pas mourir. Arrive du sud. MG à terre. Au gazeux, tu restes à terre parfait. MG sud à terre. 193. Ok, reçu. Sky, c'est des alliés. Sur des alliés. Vers le half-track. Ah non, c'est des alliés, sérieux? C'est des Allemands, ça arrive. Cessez le feu. C'est à nous, cessez le feu. Halte au feu. Vous tirez sur des alliés. Attention, j'ai pris un hit. J'ai tiré avec ma MG, vous avez pas entendu et reconnu c'est le son de la MG? C'est non, des non. Amis qui arrivent au sud, les gars. Les Américains ouais. N'ont pas d'FG. Tirer dessus là. Bah y'a notre MJ qui s'est fait tirer dessus et on a riposté quoi. Mais oui c'est notre spawn là-bas derrière. Au sud, plein sud c'est notre spawn. Ouais mais on sait plus. Ouais. Viens avec Iman t'es où? Avec aux gazeuses. Je suis là, t'es où? Sky t'es où? Ok j'arrive, je suis là. Hop. Décale-toi un peu hein, comme ça vous prenez pas une rafale et vous. Je mate au bout là ici, ok. Ouais ouais parfait. On cherche un officier. Y'a un serveur ici. Ah ouais, chez Neo. Qu'est-ce qu'il faut? Chez Neo, on cherche chez Neo. Ça c'est allemand. On est mort et on est revenu. Ah, ok, si on a tiré sur des Allemands, mais pourquoi il s'est fait. Y'a une MG à nous qui s'est fait tuer par derrière, je comprends pas. Ouais. Les gars, j'ai besoin de deux personnes là. Vous deux, vous faites quoi là? Non, je suis MG. MG, ok. Sky. Moi je suis de la 2, je suis en soutien. Ou 3 là. Suis-moi. Allez, suis-moi. Je suis. MG aussi là. On va aller se mettre dans les maisons là-bas, c'est le bordel ici. C'est au gazeuse, mais on est la squad 2, on est en soutien ici en fait. Allez, non, il faut que vous reveniez avec moi. Ah, ok, on ok. Est en train de perdre la position. Attention, on revient. Je vous réquisitionne. Allez, retour au QG, le secteur de défense. Il faut que vous repreniez ces positions. Ah, tout à gauche où on était tout à l'heure. Ouais. Ok. Tous vos compagnons sont morts malheureusement. Ok, reçu. Donc on va rester bien défensif. Il y a le commandant qui va vous briefer. Reçu. Il est où le commandant? Oh là, je suis parti pour en fait voir mes potes mourir quoi. Enfin, on a laissé nos potes mourir quoi. Commandant, je vous ai ramené les soldats. Ah, ok. Attention, j'ai été blessé. Installez-vous dans les tranchées. On tient cette position. Commandant. Attends, j'ai perdu son nom. Bah, il a rien de spécial à me raconter. Okay, il a des pertes, il tient le front. Ça va. J'ai été blessé. Ok, rejoins ton sergent. Je retrouve ton sergent et on voit si tu le trouves pas, reprends position. Allez, là, oh punaise, je suis mort. Tireur isolé. On a perdu un couille. Est-ce qu'il y a un médic dans les parages? On a besoin d'un médic. Merde, on n'a pas de médecin en plus. Commandant, cachez-vous quand même, hein. C'est pas. On a un artilleur, on continue à faire le tir avec le canon. Ah, ça tape là où on est mort. Ça tape de ouf, hein. Ah ouais, c'est vénère. Sur le point, c'est comment les gars? Franchement, c'était tendu quand on est mort là, c'était tendu là. Faut qu'on retourne dessus, on doit tenir l'artillerie. Ensuite. Bien, répartissez-vous sur les deux points de défense. Au bout au nord et la tranchée à l'ouest. Je vais aller à l'ouest du coup. 245, yes. T'as l'air de péter par là, c'est abusé. On a perdu le commandant, c'est maintenant moi le commandant en chef. Okay. Les ça joue. Ah, le commandant est mort, tu m'étonnes comme quoi le combat il est violent là. Est-ce qu'il y a encore des survivants? On a besoin d'un tout. Ouais, je suis là moi. Ok, Krizak, viens avec moi, on va dans les tranchées. À quel. Où ça? Du monde à droite, tu vois si c'est à nous. Je suis vers le. On se trouve vers le canon. L'ouest? Ouais, je suis là. Ouais. Ok, tu te mets au bout vers le canon bâché. Ok, reçu.
attends. Ça tire nord. On est balle du nord. Continuez à tirer le canon. Il faut que quelqu'un tire au canon en permanence. Des munitions, please, munitions. Les munitions, elles sont derrière pousse. À la petite barre. Celui qui a la SVT, le SVT, pousse. Non. Spix. Oh, j'ai pas envie de me lever, je vais prendre une tête. Il y a le tir de canon là, il y a tout. On a qui de la squad 2 ici à part Chrysax? Bah j'ai pas vu d'autres gars là 2. Personne d'autre hein. Et à l'ouest, t'es allé voir à l'ouest? Bord... Ouais ça doit passer pour de map. Ouais mais s'il y avait de la 2, de la squad 2 là-bas. Non, je vais aller voir. Attends, on a perdu un canon ou quoi? Il tire plus là. Bongo. On a quelqu'un de la... Ils vont revenir, t'inquiète. On a perdu. C'est trop dangereux là. T'arrives à droite. Retournez dans les tranches. Précieux. Faut que ça tire. Derrière la maison, côté maison. Attention, c'est close, Thompson. Non. Ouais, derrière la maison, il est caché. Ça. Maison 344. Okay, c'est loin, on tire loin. Derrière la maison. Oui, oui, il était à l'angle de la maison, ouais. Aussi. Ma fille. Derrière la maison, il y en a ou pas? Oui, il est pas mort, hein, je l'ai pas touché. Ouais. Commandant, il est de retour. Avec quoi équipé de P40 et d'armes. Ils ont déjà ramené un commandant de Berlin. Ok, 5 hommes, je les envoie. Tu pars avec. Ça chauffe en nord-est aussi. Je les vois pas les tueurs en reste. Il me faut des gars avec des MP40 là. Bongolino, MG. Oh la vache, il m'a chouffé dans la tronche. T'as les MP40 tu... Ah non, t'as même pas. Attends, il manque d'infirmiers ici, c'est abusé. J'aurais peut-être dû demander de faire infirmier en fait. Ah fille, j'ai eu des tirs en l'est aussi. Allez chercher le sergent Publisher qui se trouve. Sergent Publisher. Oh la vache. Ouais, c'est moi. Je suis au canon. Quelqu'un pour reprendre le relais un peu au canon là? Il faut deux soldats dans le A votre est, les gars, ça arrive aussi. Oui. Messieurs, celui qui se bande et celui qui vient, vous venez avec moi là. Dans les tranchées en face, dans les tranchées 356. On recule. Arrosez le plan nord. On va changer de plan. Même si vous voyez rien, arrosez le plan nord. Je suis ensanglanté, j'ai été blessé, j'ai pris 2 balles. Je suis épuisé là. C'est les alliés qui arrivent, mais bon. Ça se passe quoi? Ça veut quoi? Il me faut 2 soldats avec pas des MG. Quelqu'un a un pansement là pour Yo-Yo, il y a un Allemand qui m'a tiré dessus. Soldat avec le bandage. Gars, là. Merci, camarade. Tu viens avec moi. Allez, vous venez tous avec moi là. C'est bon. Merci. Pas les squads leaders, hein. Pardon, excuse-moi. Ok. Et la MG aussi, tu retournes sur les tranchées. Vous 4, vous 5, c'est parfait. Venez. Azimuth 14. Tu peux pas utiliser ce canal? Ouais, j'ai pas fait exprès. Ouais, pas grave.
On va tourner, hein. On va se planquer un petit peu. Non mais on est pas du tout protégé sur le flanc gauche. Ceux qui ont besoin de munitions, vous rechargez. L'objectif, nous allons aller à la tranchée qui est légèrement devant et on va la reprendre. Donc si vous avez des grenades, vous les balancez dans la tranchée le plus possible avant de rentrer dedans. On va avancer tout doucement le long de la route. Et une fois qu'on est arrivé à la tranchée, on la prend. Reçu ? Reçu. Reçu. All right. C'est parti. Bonjour. On n'est pas assez espacé, mais bon. Les mecs de droite avancent aussi. Visu sur la tranchée. Oh. Ah des munitions. On rentre dedans. Il y a du monde au bout de la route là-bas. En plein nord, il y a du monde sur la route. Ok. On prend. Prenez, tirez pas contact. Prenez pas. On prend. La but, c'est la tranchée. Revenez. On est là. Il y a personne derrière moi. On a du contact dans notre dos, il faut qu'on retourne au croisement de route. Reculez. Oh la vache, il s'est fait. Oh là là. Allez. Les gars, les gardez devant vous. Je couvre, reculez. Parce que là, de couvrir, là, c'est compliqué, là. Franchement, il souffre encore, là. Il nous rafale à la tronche. Oh, derrière la route. Attention. Attention, il y a le contact arrive par le nord, là, sur la route du nord. Ça se moque. MG. Ça passe au nord sur la route. Ça part à droite. À droite. Ah. Sur la route là. Ouais. Alors, je suis jamais allé donc je sais pas si c'est safe pour aller aux gens. Manoir c'est pas safe, hein, c'est un transfert shooté. Faites attention. Mais il commence à tirer dès qu'on aborde la route. Ouais, bah, avancez, essayez de les rejoindre. Moi je vais essayer de rejoindre la 2 hein. Compliqué là. Qui est derrière moi? C'est moi, je suis de la 2. Ok. Là, je suis de la première. Ouais, mais on est pas très loin normalement. Je crois qu'on est plus très loin du point fort. Je suis allé tout à l'heure, c'est normalement derrière la maison. Là. Ouais, c'est ça. Pardon. Ah, ouais, il va m'avoir demain et tout. Oh là là, le carnage. Ok, c'est bon. Oh, le bombardement là. Wow, il est chaud.